Salut, salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour un swatch and make-up avec la palette Poetry Swap White, la Rich in Color, qui se présente comme ceci. Il y a des belles choses, il y a des très belles choses. Donc avant de passer au swatch, je vais vous demander de choisir la prochaine. Il y en a deux que ça fait longtemps que j'attends pour les faire, je ne les ai pas encore utilisées du coup. Hein. Donc il y a tout d'abord la Avocado, donc c'est trois révolutions les prochaines. Il y a d'abord la Avocado, donc ça sera dans les tons verts, bien sourd, puisque c'est le principe même de la palette. Elle est très jolie, hein. très jolie. Et ensuite, ces deux Forever Flawless, il y a tout d'abord la Ice, que je vous ai déjà proposé dans les sondages, qui est dans les tons bleus. Voilà. Je vais faire en sorte que vous la voyez assez bien. Et pour terminer, la... Birds of Paradise, qui est une des dernières qu'ils ont sorties, qui est comme ceci. Voilà, donc je vous mets le petit sondage dans le petit i et je ferai suivant la prochaine que vous aurez choisie. Là, on va s'attaquer à celle-ci. Donc dedans, vous avez 28 fards de 1,2 g. Donc c'est des très beaux fards. Elle est cruelty free et vegan. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs et je me rapproche pour attaquer le monde. Une petite image des fards que j'utilise, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Je vais préparer le pinceau avec un Zoeva 231 et je vais prendre cette teinte là, la teinte Backstage. Vous voyez qu'il y a énormément de très jolies couleurs, j'ai envie de toutes les utiliser mais on peut pas tout faire. Donc avec cette couleur là, je vais commencer par faire mon coin externe et la moitié de mon creux de paupière. Donc je commence délicatement à flouter le bord avec un autre pinceau du style du 231, puisque l'autre est sale, donc je prends le Jazz Up 231. Je prends la teinte Trend Better et j'achève mon creux de paupière avec du vert. Bien sûr, on dégrade ici les deux teintes. Alors, avec un pinceau un peu plus fluffy, donc là c'est un Jazz Up 227, je vais prendre la teinte Rich que j'avais trop envie d'utiliser, ce magnifique turquoise. Donc, j'en prends pas beaucoup parce que. Il a l'air hyper pigmenté. Et je vais dégrader mon bleu avec cette teinte turquoise. Donc pour me faciliter le travail, je vais déjà poudrer mon arcade sourcilière. Donc je prends le pinceau plat comme ça, long de chez Sananas. Et je prends la teinte élégante avec un haut. Donc il sera peut-être un peu trop foncé, mais bon. Bon, quoi que ça va encore. Et je poudre toute mon arcade sourcilière, comme ça je peux en profiter pour bien estomper le bord du turquoise. Avec un autre pinceau estompeur, donc là c'est le Jazz Up 228, je prends le Green Juice, qui est juste magnifique, pour dégrader la partie verte. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. On verra bien. Et pour terminer, je donne un petit coup d'estompeur propre pour bien flouter les bords. Je fais pareil sur l'autre œil et on se retrouve tout de suite. Donc j'en ai profité pour faire mon ras de cils inférieur. J'ai juste reporté la teinte Backstage
que j'ai estompé avec Rich Rich et un petit peu du Cher élégante avec un H. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre celui-ci de chez Jessup qui est teinté. Comme ça, je pourrais le relaver un coup. C'est le 234. Et je vais prendre la teinte Desert qui est juste magnifique. Mais toutes les couleurs sont belles dans cette palette. Et je vais le mettre sur ma partie mobile. Sur ma paupière mobile en coin externe. Voilà. Donc je commence ici. Et je l'étire un peu sur le bleu. On dégrade le bord. Bon, après, toutes les couleurs sont sublimes de cette palette. J'ai hâte d'en faire d'autres. Et il y a mon chien qui ronfle à côté. Lilou, qui est là juste en dessous de ma chaise. Je vais réintensifier un petit peu mes coins externes avec la teinte Backstage. Alors, j'essuie un petit coup les pigments de mon pinceau juste pour ne pas en avoir. Et je vais prendre cette magnifique teinte qui est la teinte Waouh, qui est juste Waouh. Donc, c'est des paillettes pressées. Mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu en gel. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de colle. On va voir ça tout de suite. Et je vais mettre sur mon coin interne. Ouh! Magnifique. Donc oui, ce sont juste des paillettes. Donc j'aurais pu mettre un autre fard en dessous ou tout simplement continuer avec le fard Desert. Bah, du coup, ce que je vais faire, je vais en rappliquer en coin interne et je vais déborder un peu sur le violet. Alors ensuite, je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre un tout petit pinceau boule comme ça, qui est le 230, me semble-t-il, de chez Jessup. Et je prends la teinte Shimmering pour mettre dans mon coin interne qui est pas mal lumineux. Hein. Bon, après, c'est un blanc lumineux, quoi. C'est pas non plus la couleur du siècle, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un petit fard lumineux comme ça dans les palettes, pas comme dans celle de Sunless. J'adore la palette de Sananas, mais c'est vraiment ce qui manque. C'est un petit fard lumineux pour mettre en quater. Et du coup, je vais en mettre aussi sous nos sourcils. Soyons fous. Des boîtes sous sourcils. Il est encore plus beau sous le sourcil qu'en quater. J'adore. Sans patoche. Donc, je pense qu'on est bon pour les fards. Je vais dire, il y en a beaucoup que je vais pas utiliser quand même, hein, parce que la palette est juste, voilà, elle est énorme, il y a toutes les teintes. Vous avez vraiment pour faire dans les tons, ici vous pouvez faire un peu de nude, vous avez du rose, du mauve, du jaune, du orange, du rouge, du bleu. Oh, et ces couleurs-là, elles sont trop belles. Donc, voilà ce qu'il en est pour les fards. Je vais quand même faire un trait de liner, je pense, ou je pense pas. Ouais, non, j'ai pas envie de trait liner. Donc je vais mettre mon mascara, un rouge à lèvres, et puis je vous retrouve tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Alors, en mascara, j'ai mis le Volumero de chez Essence, que je suis toujours en train de tester. Et il bonifie avec l'âge, hein, comme tous les mascaras essence, selon mes goûts. Et sur les lèvres, j'ai mis le Guerlain, comme ça, la collection La Petite Robe Noire, qui est le numéro 11. Donc vous entendez des tic-tic, je suis désolée, mais la Chico, elle est juste en dessous de ma chaise, je ne sais pas pourquoi, elle attend pour que je lui donne à manger. Et j'ai le gros qui tourne près de la porte, bref. Donc que pensons-nous de cette palette? Bah écoutez... Pour les quelques fards que j'ai testés, j'aime beaucoup. Il y a juste ici, j'ai eu une petite tache avec le bleu. Une fois que le make-up est terminé, ça ne se voit plus. Avec le bleu, le backstage, là. Mais je pense que c'est parce que ma base avait déjà un peu trop séché. Donc j'ai mis la révolution. Tous les produits que je n'ai pas mentionnés... Tous les produits que j'ai pas mentionnés dans la vidéo seront listés, bien sûr, en barre d'infos. Donc tous les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint, en gros. Il y a juste pour le bronzer, blush, highlighter, j'ai utilisé
La palette, le trio, là, Patricia Bright aussi, logique. Je voulais vous le montrer, mais je l'oubliais en bas, et je voulais vous filmer l'application, mais j'étais trop concentrée sur mon make-up de teint en bas, voilà. Bref, les paillettes, my god, j'adore. Donc j'ai hâte de tester les rouges. J'adore. Et franchement, le petit fard blanc, là, il ne paye pas de mine comme ça, mais ouais. Et celui-là, alors je vous montre. Enfin, vous l'avez vu dans les swatchs, mais la texture, elle est trop bizarre. Elle est. Quand on appuie dessus, en fait, il s'enfonce. Et la couleur est juste. Wow. Magnifique. J'adore. Elle est vraiment magnifique. Je viens de me faire quand même. De me mettre du fard sur où j'ai eu mon cathéter hier pour l'anesthésie. Je suis un peu con-con. Celui-ci, on l'a utilisé, mais on ne le voit pas assez. Quoique, si, il ressort bien. Et avec les paillettes par-dessus, il est encore plus beau. Et voilà, ce petit rose lumineux. Très, 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 très joli. Franchement, les couleurs. Mais j'avais vraiment très envie de tester le turquoise. Le turquoise, la Rich Rich et le Cream Juice. Joyce. Enfin, voilà, le Joyce. Ah, et celui-là aussi, je ne vous ai pas montré. Enfin, vous les avez vus dans les swatchs, hein, mais il faut que je vous montre. C'est le Misetco, rappel manqué. Oh là là. Ces deux couleurs vont très bien ensemble. Hein. Ça devrait faire un beau make-up. À tester. Donc, je ne vous ai pas parlé du prix de cette palette. Les palettes Révolution en collaboration sont à 21,99€ normalement. Oui, c'est ça, 21,99€, mais vous avez plus de fards que par exemple celles-ci qui sont à 11,99€, vous avez dedans 18 fards. Ici, vous en avez 28. C'est pas de bêtises, hein. C'est ça que je veux dire. Oui. Donc il y en a 10 de plus. Donc ce qui explique, et puis plus le fait que ce soit une collaboration, donc il faut rémunérer la personne qui a collaboré, mais je trouve que franchement pour 22€, ouais. Moi. Après, je suis une grande fan des palettes Révolution, je pense que maintenant vous le savez. Et elle est en marche de deuxième, une de mes préférées, celle-ci. Après, bon, il y a la Rich, je sais plus comment c'est, l'autre, il y a la version nude aussi. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas mal commandé quand même. Je vous afficherai une image. Je sais plus à quoi elle ressemble, je vais regarder. Le packaging est blanc, c'est tout ce que je me souviens. Mais franchement, pour le prix, ce sont des très bons fards. J'ai hâte de tester d'autres coloris. Et je pense que si j'arrive enfin à me mettre aux Insta Stories, donc vous en saurez plus si vous me suivez sur Instagram, mais je croise les doigts pour qu'aujourd'hui, un de mes plus grands rêves se réalise. Donc aujourd'hui, mardi, jour où je filme la vidéo, vous l'aurez jeudi, donc ou samedi. Non, jeudi. Oui, jeudi. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà de quoi je parle, mais... Aujourd'hui, si tout se passe bien, un de mes plus grands rêves devrait se réaliser. Donc nous verrons bien. Et je pense qu'après ça, je me mettrai plus souvent aux Insta Stories. Pas aux Insta Stories, aux IGTV. Voilà, c'est ça, IGTV. Ouais. Bref, donc j'espère que ce make-up vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. À répondre au sondage. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est un truc de fou. Au sondage qui est dans le petit i pour me dire quelle palette vous préférez que je vous fasse la prochaine fois. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Donc on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Le concours des 2000 abonnés va arriver le 21, me semble-t-il, si je ne vous dis pas de bêtises. Le samedi, pas samedi qui vient, celui d'après, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et il se terminera après les vacances de Pâques. Comme ça, j'aurai plus facile. Je ne devrais pas faire le tirage et tout ça. Pendant les vacances de Pâques, donc il se terminera à la fin des vacances. Et je vous le ferai donc, puisque dans le sondage que je vous ai posté, je vous ai demandé dans cette vidéo-là, donc je la remets juste ici. Pour l'instant, à l'heure où je tourne la vidéo, vous préférez que ce se passe sur YouTube et Instagram. Donc je ferai les deux. C'est un peu plus compliqué pour moi après du coup de faire de noter les participations, mais je ferai comme vous voulez. Donc du coup, vous aurez deux chances. Et voilà, je vous en dirai plus dans le concours de toute façon, qui sera donc le 21 mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc en attendant, samedi, on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.